Animal, c'est une association qui a été créée en septembre 2011. Donc c'est une association qui fonctionne exclusivement avec des bénévoles et des familles d'accueil. Donc on a des chiens de petits, de moyens, de gabarits, jeunes, moins jeunes, en bonne santé, d'autres qui sont malades. Facile, pas facile. Voilà. Donc, y a, voilà. Peut-être que l'origine aussi de d'où viennent ces chiens, donc il y a l'abandon, il y a la maltraitance, ouais. Il y a les retraités d'élevage, hein, parce que ça on n'en parle jamais. Mais en élevage, les chiens, 90% des éleveurs, n'ont quasiment pas de contact avec l'humain. Donc on les récupère parce qu'ils ne sont plus productifs. Généralement, ils sont voués à l'euthanasie et c'est légal. Alors nous, on cherche avant tout des personnes qui vont aimer leur animal jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est vraiment la base. Des personnes qui sont responsables, qui considèrent que l'animal va être un membre à part entière de la famille. Alors donc Johnny, en fait, donc c'est un cavalier King Charles mâle qui a un peu plus d'un an. Et quand on a trouvé la famille d'accueil, on est allé le récupérer chez lui. Donc là, on s'est rendu compte que le chien vivait exclusivement dehors, en fait, dans le jardin et dans une niche, qu'il n'était pas du tout alimenté comme il fallait puisqu'il avait de l'alimentation pour chat. Et surtout, surprise, en fait, les bagages de la famille étaient prêts, voilà, juste derrière la maison. Et donc clairement, Johnny, c'est un abandon de départ en vacances. Quoi. C'est, voilà. C'était la veille du week-end du 14 juillet. Ouais. Quand je l'ai récupéré, il n'avait pas l'habitude des câlins, etc. Donc il n'était pas spécialement proche de l'humain, en fait. Et comme c'est un petit chien jeune, au final, au fur et à mesure du temps, le fait de lui faire des câlins, d'être proche, c'est vrai que c'est un accomplissement personnel de voir qu'on a réussi à faire évoluer un petit toutou comme ça et d'avoir contribué à ce qu'il soit sorti d'un milieu qui n'était pas forcément optimal. Ce sont des chiens qui sont extrêmement attendrissants parce qu'ils ont un très très lourd passé et qu'on a un lien avec eux qui est totalement différent. Il faut s'adapter à eux. Il y a une... Moi je trouve personnellement qu'il y a une fusion, il y a un lien qui est autre qu'avec un chien qui n'a jamais connu de soucis dans sa vie.